استغرقنا في الدرس السابق لمركبات الهيدروكربونية، قمنا بدراسة أهم العنصر اللي كاين كيدخل في التركيب ديال المركبات الزيدوكربون ومركبات الهيدروكربونية، وهو العنصر ديال الكربون. إذا تركنا قلنا بأن الكربون كيحتوي على 6 ديال الالكترونات، علاش؟ لان الزد ديال الكربون هي زد ديال اسيس، الكربون هو سيسيس. الوغ النومبر دو بروتون ديال الكربون سي سيسيس، اي بويسك لو كربون الي نوتر الكتريكمون نوتر، دونك لو نومبر دو بروتون دي الكترون ايغال اسيس، دونك نومبر دي الكترون دو كربون اي سيس. الوغ سا كونفيغوراسيون الكترونيك اي 4 ال 4. Donc, forcément, il a 4 électrons de valence. Alors, selon la règle de l'entrée, il a tendance à faire 4 liaisons en covalente. 4 liaisons en covalente. Donc, ou bien le carbone fait faire 4 liaisons en covalente simple, ou bien 2 liaisons en covalente simple et une liaison qui est double. Ou bien 2 doubles liaisons, ou bien une liaison simple et une liaison triple. Donc, c'est ce qu'on a vu là, la leçon dernière. Alors, maintenant, on va aborder un autre sujet, toujours qui est le carbone canalique, le mot à l'ancienne des molécules ou le morcabat. Les molécules organiques et squelettes carbone. Regardez tout d'abord les molécules organiques. Nous allons voir les chaînes carbonées et les groupes caractéristiques. On va voir les types de chaînes carbonées. Bien sûr, les chaînes carbonées saturées et insaturées, les chaînes carbonées linéaires, ramifiées, cycliques, et l'écriture topologique, et bien sûr les isomérites de construction. Après, on va aborder on va voir quelques types des molécules organiques, ce sont des alcanes et les acides. On va présenter les alcanes et voir comment nommer les alcanes. Maintenant, les molécules organiques. Les chaînes carbonées. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne carbonée? Une chaîne carbonée, c'est une chaîne, bien sûr, qui est constituée par des atomes de carbone qui sont liés entre eux. Donc, ils seront liés entre eux avec des liaisons covalentes, bien sûr. Donc, voilà un exemple de molécule carbonée, ou bien une chaîne carbonée, ou bien ce qu'on appelle une squelette carbonée. C'est une squelette carbonée, voilà. Un autre type de chaîne carbonée. Bien sûr, les atomes en noir, ce sont des atomes de carbone. Et les atomes en blanc, ce sont des hydrogènes, bien sûr, le rouge, ça représente les atomes d'oxygène. Donc, ce sont des chaînes carbonées. Donc, les chaînes carbonées, ou bien les squelettes carbonées, ce sont des squelettes formées par des carbones qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Alors, maintenant, si je vois cette molécule contient le carbone hydrogène, et bien sûr, on a ici le carbone qui est lié à un oxygène, OH. Donc, cet carbone lié à l'oxygène OH, donc cette molécule, on dit qu'il contient ce qu'on appelle un groupe caractéristique. C'est un groupe caractéristique OH. Ça représente les groupes caractéristiques des alcools. Donc, les alcools contiennent le groupe caractéristique OH. C'est et OH, un groupe caractéristique qui caractérise la famille des alcools. Donc, un groupe caractéristique, je suis Kerténa. Kerténa, qui derrière la molécule, qui est une propriété chimique. Par exemple, les alcools, qui utilisent une odeur spécifique, il y a des encore la carafe ou la cabine. Par exemple, un don, le serré, ou le cabine, le chitier,
كذلك انهم اي سون تري فولاتيل يعني متغيره. الا حطينا في واحد الفلان انا واحد حطيتها كنجبرها بانها تفخرت. دونك هادو لي موليكول ديال كي كونتيان الجروب فونكسيونيل او اش. كاين باغ اكزومبل ان اوتر جروب فونكسيونيل، كاين بزاف ديال الجروب فونكسيونيل، ولكن باغمي لي جروب فونكسيونيل اوتر باغ اكزومبل سي او او اش. دونك سو سون دي جروب فونكسيونيل كي كاركتيريز لي اسيد كاربوكسيليك. Ce sont des acides carboxyliques. On a déjà vu l'acide carboxylique, l'acide éthanoïque, l'acide méthanoïque. Ce sont des acides carboxyliques. Ils possèdent le groupe caractéristique COOH. Donc, on les dit, par exemple, c'est double liaison O avec OH. Ce sont des groupes caractéristiques qui caractérisent les acides carboxyliques. Et les acides carboxyliques se caractérisent par leur pH qui est inférieur à 7 à 25 degrés Celsius. D'accord. Alors on passe maintenant à définir les types de chaînes carbonées. Petit A, chaîne carbonée saturée et insaturée. Chaîne carbonée saturée et insaturée. Donc si je prends cette chaîne carbonée, alors regarde, on a ici des liaisons carbone-carbone qui sont comment ? Sont des liaisons covalentes simples. Sont des liaisons covalentes simples. Donc on dit que c'est une chaîne carbonée qui est saturée. Donc c'est une chaîne carbonée qui est saturée. Pourquoi? Parce qu'on a, on trouve que des liaisons carbone-carbone, des liaisons covalentes simples. Maintenant, si je trouve une liaison covalente double, par exemple, ici, j'enlève hydrogène, un autre hydrogène, et je vais lier les deux atomes de carbone par une autre liaison. Voilà. Donc on trouve ici une double liaison. On trouve ici une double liaison carbone-carbone. Donc on dit que c'est une chaîne carbonée insaturée. C'est une chaîne carbonée insaturée. Donc comment définir une chaîne liaison insaturée? Une chaîne liaison insaturée, c'est une chaîne où on trouve au moins, hein, au moins une double liaison ou bien une triple liaison. Donc, ce qu'on appelle une chaîne liaison, une chaîne carbonique qui est insaturée. Donc, exemple, je vais vous donner des exemples. Exemple, si on a CH3, CH2, CH, CH3, CH3. On a CH2, CH, double liaison, CH, CH3. Donc, la molécule A et la molécule B. Donc, que peut-on dire de la molécule A? Est-ce que c'est une chaîne carbonée saturée? Est-ce qu'elle contient une chaîne carbone saturée ou bien insaturée? Hein? Bien sûr, on ne trouve pas ici de double liaison ou bien de triple liaison. Donc c'est une chaîne carbonée, elle est saturée. D'accord? La deuxième chaîne carbonée, puisqu'elle contient une double liaison, donc c'est une chaîne carbonée insaturée. D'accord? Alors on passe maintenant à petit b, une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique. D'accord? Alors, je prends un exemple pour voir les chaînes linéaires. Si je prends par exemple cette molécule, je vais la rendre comme elle était. Regarde, il est constitué par des atomes de carbone qui sont enchaînés, carbone, 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 carbone. Donc, on remarque que chaque carbone, les carbones de périphérique, ils sont liés à un seul carbone. Par contre, le carbone au milieu est lié à deux carbones. Donc, lorsqu'on trouve un carbone dans une chaîne carbonée est lié au plus à deux carbones, on dit que c'est une chaîne qui est linéaire. Une chaîne qui est linéaire. Maintenant, je vais ajouter un autre exemple ici.
Est-ce que cette chaîne est linéaire? Non, pas linéaire. Si je constate ici que ce carbone-là est lié à combien de carbones? 1, 2, 3. Donc, c'est une chaîne qui n'est pas linéaire. On dit que cette chaîne, elle est ramifiée. Donc, il contient une ramification. Donc, c'est une chaîne qui est ramifiée. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne ramifiée? C'est une chaîne où on trouve un carbone est lié au moins à 3 carbones. Donc, il est lié à 3 carbones ou plus, ou bien 4 carbones. Donc, c'est une chaîne, on dit que c'est une chaîne qui est ramifiée. D'accord? On passe maintenant à une chaîne qui est cyclique. Donc, si on ferme cette chaîne, par division covalente bien sûr, si on ferme cette chaîne, carbone-carbone, hein, par division covalente, on obtient une chaîne qui est cyclique. Voilà. Maintenant, on a une chaîne qui est cyclique, qui forme un cycle, ou bien une chaîne qui est fermée. D'accord? Donc, maintenant, on a vu qu'il y a trois types de chaînes. Il y a une chaîne carbonée linéaire, ramifiée et cyclique. Donc, je vous donne un exemple. Donc, exemple de chaîne pour appliquer ce qu'on a vu ici. Donc, CH3, CH2, CH1, CH3, donc CH2 ici, bien sûr CH2 ici, CCC, CH2, CH3, CH3, CH3 et CH. Donc, il faut s'assurer toujours que chaque carbone fait 4 liaisons. Il faut s'assurer toujours que chaque carbone a 4 liaisons. Donc maintenant, je vais prendre CH2 et CH2. Hein? D'accord? Donc cette molécule, on va l'appeler la molécule A, molécule B et molécule C. Donc si je vous demande quel est le type de chaque molécule, molécule A, B et C, ou bien quel est le type de chaque molécule, est-ce qu'elle est saturée, insaturée, linéaire, ramifiée ou bien cyclique? Donc on va commencer par A, c'est une chaîne comment? C'est une chaîne qui est saturée. Une chaîne contient une chaîne saturée. D'accord? Est-ce qu'elle est linéaire ou bien ramifiée? Hein? On regarde, chaque carbone est lié à un autre carbone, combien de maximum. Donc c'est une chaîne qui est linéaire. D'accord? La chaîne B, est-ce qu'elle est saturée ou bien insaturée? Bien sûr qu'elle est saturée. Cette chaîne, ça contient une chaîne saturée. D'accord. Est-ce qu'elle est linéaire ou bien ramifiée? Si on voit le carbone, le deuxième carbone ici, le troisième, donc ils sont liés par 3 carbones. Donc c'est une chaîne qui est ramifiée, n'est pas linéaire. Une chaîne qui est ramifiée. Et petit c, la chaîne, comment elle est? Et bien sûr, elle est saturée, il n'y a pas de double liaison, elle est saturée. CH2 ici, CH2. Donc, chaîne qui est saturée. Et comment elle est? Elle est cyclique. Vous voyez que la chaîne est fermée, donc elle est cyclique. Elle est cyclique. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à l'écriture topologique. L'écriture topologique. Qu'est-ce que c'est que l'écriture topologique? Donc, pour représenter une chaîne carbonée, ou bien une molécule d'une façon générale, on a
procéder par plusieurs méthodes. On a vu l'écriture, par exemple, développer plan. Une écriture dans le développer plan. Par exemple, si on a moins plus de C4, C2, H, par exemple, C2, H6, ça, sans écriture développer plan, on écrivait C1, 2, 3, 4, 3, 6. H. C'est très bien. Donc, on avait dit que cette écriture prend beaucoup d'espace. Donc, il faut penser à une écriture qui minimise un peu d'espace, qui économise un peu d'espace. Donc, on a pensé à la chaîne semi-développée. Donc, c'est appelé écriture, ou bien cette écriture est appelée écriture développée, quoi, écriture développée. Donc, on a pensé à écrire, à faire une écriture qui économise un peu d'espace, c'est l'écriture semi-développée. Donc, l'écriture semi-développée, on n'écrit pas les H. Hein? On rassemble les H, donc on écrit CH3 et CH3. Donc, maintenant, puisqu'il y a des workers qui sont très très longs, donc on pense à économiser plus d'espace. Il faut économiser plus d'espace. Donc, on a essayé de faire une écriture qui est très très simple, hein, ce qu'on appelle l'écriture topologique. Qu'est-ce que c'est que l'écriture topologique? Donc, l'écriture topologique, ça consiste à écrire les liaisons covalentes sous forme des lignes brisées qui font des zigzags. Par exemple, si je prends cette molécule, CH3, CH2, 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 CH3, par exemple. Donc, ces liaisons covalentes, on l'écrit comme des morceaux ou bien des lignes qui sont brisées, hein, qui sont brisées, qui forment des zigzags. Donc, hein, je compte combien ici on avait des liaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais écrire les liaisons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 6 liaisons. Donc, chaque intersection des segments représente un carbone. Et les extrémités, bien sûr, les points des extrémités représentent un carbone. Si on a ici une double liaison, par exemple, si on a une double liaison, CH2, double liaison, CH3. Par exemple, si on a ici une double liaison, donc il faut représenter la double liaison par un petit segment doublé. Donc, les zigzags, donc la première liaison, la deuxième liaison. Donc, la première liaison, elle est double, ici, liaison double, ajouter un autre petit segment en zigzag. D'accord? Maintenant, si on a une autre molécule autre que le carbone et l'hydrogène. Donc, on a dit que l'écriture topologique consiste à ne pas écrire le carbone et ne pas écrire l'hydrogène lié au carbone. D'accord? Maintenant, si on a une molécule autre que l'hydrogène, par exemple, si on a cette molécule, on va voir comment écrire son écriture topologique. Alors, on a cette molécule. C'est un hydrogène qui manque. Donc on a combien ici le carbone? 1, 2, 3, mais 4. Donc c'est la formule. Donc CH3 bien sûr, CH3, CH2 et COOH. Voilà. Donc sans l'écriture topologique, c'est comment on fait pour écrire sans écriture topologique. Donc on a ici
lisons carbone carbone 1, 2, 3. Donc, son écriture topologique 1, 2 et 3. Donc, combien de carbone ici? 1, 2, 3, 4. Le premier carbone, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ici, on a une double liaison avec un oxygène. Donc, je vais faire la double liaison avec oxygène et je vais écrire l'oxygène, bien sûr. Donc, on est, dans l'écriture topologique, on n'écrit pas le carbone et l'hydrogène lié au carbone. Mais les autres, on restera à prendre que le carbone et l'hydrogène, il faut les écrire. Donc, on a ici une liaison OH. Donc, il faut écrire une liaison OH. Pourquoi écrire le H ici? Car il n'est pas lié au carbone, il est lié à l'oxygène. Donc, il faut écrire le OH. Donc, si on est, par exemple, le CH3, CH. 2, CH2, CH2 et CH3. 1, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Il faut toujours s'assurer qu'il y a, que chaque carbone a 4 liaisons. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Donc, CH2, CH2, d'accord, CH2, CH3, CH2, CH2, CH1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, c'est bon. Donc, on va commencer par la première, je vais la nommer molécule A, B et C. Donc, bien sûr, le molécule A, c'est celui qui est celui-là, qui a une chaîne carbone qui est linéaire. Donc, son écriture topologique, bien sûr. Je compte combien ici on a des liaisons. 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, si on a 4, si on a 4 liaisons, on a combien de carbone? 5 carbone. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais représenter les 4 liaisons, 1, 2, 3 et 4. Donc, bien sûr, si je compte le nombre de carbone, je vais retrouver les 5 nombres de carbone. Donc, c'est l'écriture topologique de la molécule A. Donc, en ce qui concerne la molécule B, je vais compter ici combien y a-t-il de liaisons covalentes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais faire les 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3 et 4. Je vais numéroter les carbones. 1, 2. Donc, le carbone 2 contient une ramification. Donc, 1, 2, je vais ajouter la ramification. C'est une, bien sûr, un segment au carbone 2. Le carbone 3 contient aussi une ramification. 1, 2 et 3. 3, le troisième carbone contient une ramification. Voilà, c'est la représentation de cette chaîne carbone. La chaîne carbone C, donc c'est un cycle ici, donc c'est un cycle. Je vais compter les liaisons que contient ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 5 liaisons. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc il y a 5 liaisons. Bien sûr, combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, on a ici 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Un carbone contient un radical CH2, CH3. Donc, le carbone qui contient, je prends un carbone au hasard. 1, voilà. CH2 et CH3. Donc, je vais ajouter un autre exemple, c'est D. D, CH3, CH2, CH, CH3, NH2. Donc, l'écriture topologique de ce composé. Donc, on a ici 1, 2, 3, 3 liaisons covalentes, 1, 2, 3, 1. On a un groupe caractéristique NH2, ce qu'on appelle le groupe caractéristique
caractéristique amino, NH2. Donc dans le carbone, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou bien 1, 2, c'est la même chose, 1, 2. Donc le NH2, je vais écrire NH2. D'accord? Alors, si on a par exemple un exemple qui contient, je vais effacer ça, une molécule qui contient une double liaison. Par exemple, je vais ajouter ici une double liaison. Donc CH, CH, bien sûr, et une liaison avec l'oxygène. Double liaison avec l'oxygène. Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc, comment peut-on faire l'écriture topologique de cette molécule? Donc, quelle est l'écriture topologique? Donc, je vais m'assurer, ou bien je vais compter les liaisons entre carbone-carbone, 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Le carbone 1, 2, 3, et le carbone 1, 2, 1, 2, il y a une double liaison entre le 2 et le 3. Le 2 et le 3, donc la double liaison carbone-carbone. Donc je vais ajouter une double liaison carbone-carbone. Le carbone 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, il y a une double liaison avec l'oxygène, la pompe d'oxygène. D'accord? Donc c'est l'écriture topologique de cette molécule organique. Maintenant, on va passer aux à autre chose, petite idée, l'isomérie de construction. Isomérie de construction. Bon. Mais pour vous montrer une isomérie de construction, je vais faire un exemple avec les modèles moléculaires. Hein. Ces modèles moléculaires vont vous montrer une isomérie, ce qu'on appelle isomérie de construction. Donc si je prends cette molécule, cette molécule qui est constituée par des modèles moléculaires, elle est constituée par combien de carbones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 carbones. Donc sa formule brute, c'est C6H, combien d'hydrogène? On a ici 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est 6H14. Qu'est-ce que vous remarquez donc à propos de cette chaîne? Elle est linéaire, bien sûr. Hein? Si je prends ce composé, les lois CH3, et je le fixe à une autre place. Regarde, dans un autre plan, sur un autre carbone. Est-ce que la chaîne est toujours linéaire? Hein? Non, elle n'est pas linéaire, bien sûr. Donc, il y a une ramification. Est-ce que la formule brute de cette chaîne a changé? Non, je n'ai pas éliminé aucun carbone, ou bien aucun hydrogène. Donc, il a la même formule brute, c'est le C6H14. Mais il a une ramification, bien sûr. Est-ce que c'est la même chaîne que d'après? Non, ils se diffèrent. Donc ces chaînes qui ont la même formule brute et qui ont une formule semi-développée différente, on les appelle des isomères. Ce qu'on appelle isomères de construction. Donc qu'est-ce que c'est des isomères de construction? Ce sont des isomères, ce sont des composés ou bien des molécules qui ont la même formule brute, mais l'enchaînement des atomes dans la molécule, ça diffère d'un autre atome, d'une molécule à une autre molécule, bien sûr. D'accord? Ce qu'on appelle les isomérie de construction. D'accord? Maintenant, on va passer à un type des hydrocarbures. Donc, on va étudier ce qu'on appelle les alcanes. Les alcanes, on va présenter qu'est-ce que c'est que les alcanes. Les alcanes.
Les alcanes sont des hydrocarbures qui sont formés par seulement des carbones et des hydrogènes, mais ils sont constitués par des chaînes carboniques qui sont toujours saturées. On ne trouve pas des alcanes qui sont insaturées. Donc les alcanes sont tous des hydrocarbures qui sont saturées. Ça veut dire que les carbones font toujours une liaison covalente simple. Des liaisons covalentes simples. D'accord ? Ce sont des alcanes.